Il y a pile possibilité pour haïtiens étudier au Brésil. Que ce soit au niveau doctorat, niveau maîtrise, niveau licence. Mais en pile là nous pas de connaît qui gens pour faire pour venir étudier au Brésil. En pile haïtien tout arriver au Brésil, soit ils te fin faire philosophie, soit ils te fin faire licence en Haïti. Ils arrivent au Brésil, ils pas intégré système universitaire là. C'est ça nous va regarder ensemble. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Carno Luxama. Je vous rappelle que le Brésil, c'est le plus gros pays qui vient en Amérique du Sud. Là. Et c'est le cinquième pays qui est le plus gros dans le monde là, en termes de superficie. Après la Russie, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Chine, et bien c'est le Brésil qui vient en cinquième position comme le plus gros pays. Il y a une superficie de 8 516 000 km². Il y a une frontière avec presque tout pays dans l'Amérique du Sud, là, à l'exception de l'Équateur avec Chili. Après ça, il y a une frontière avec l'Argentine, avec Bolivie, avec Colombie, avec la France via Guyane française, avec Guyane anglaise, avec Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela. Brésil, son pays qui est tellement gros, si nous apprenons 8 516 000 km² pour nous comparer avec Haïti, qui c'est 27 000 km², si nous essayons de faire une petite division, pour nous regarder combien de fois Haïti, Brésil a fait, et bien la baye plus passé 315 fois Haïti. Seul État São Paulo gagne plus passé 48 millions de monde qui vivent là-dedans. Là, c'est une bonne idée de taille Brésil, non seulement en termes de superficie, mais en termes de population tout. Parce que les grandes populations qui est évaluée environ à 213 millions. Habitants. Et nous-mêmes en Haïti, nous parlons de 12 millions, de 14 millions, 10 millions, pas vraiment gagné, il y a un recensement qui fait, un recensement récent qui fait, qui parle de questions ça. D'abord, pas oublier d'abonner à votre channel là et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun dans la vidéo qui nous a préparé pour vous. Sous question études dans pays étranger. D'abord, il faut que nous essayons de comprendre le système universitaire brésilien. Au Brésil, dans l'ensemble des universités, d'après ce chiffre là-bas, il y a plus de 5 millions d'étudiants dans l'ensemble des universités ou bien établissements d'enseignement supérieur. Et quantité l'école, c'est-à-dire dans le niveau supérieur, l'évalue à plus de 2000 établissements d'enseignement supérieur. C'est bon, mais ça fait. Et le système universitaire brésilien est divisé en deux grandes parties. Si ça veut dire graduation, ça signifie, c'est-à-dire en créole ou bien en français, c'est-à-dire gradué. Eh bien, c'est varié d'une période de 4 ans d'études à 5 ans d'études. Ça va dépendre de qui soit étudié. Il y a une autre partie qui c'est post-graduation, ça veut dire post-gradué à lui-même, qui varie de 2 ans à 3 ans. Ça va dépendre de qui ça va faire études post-gradué. Et dans le post-gradué, dans la maîtrise, toujours, il y a deux parties là-dedans. Il y a une série de post-graduation dato sensu, il y a une post-graduation stricto sensu. Ça a été dit. C'est ça, je ne peux pas dire en français, il y a les maîtrises professionnelles. Qui pas bas ou, et droit pour faire un doctorat après. Et au Brésil, on va aller post-graduation tout court. Mais en général,
Pas trop là, ça en lui-même, c'est toute étude vous faites après licence, après vous faites une graduation à l'université. Eh bien, maîtrise professionnelle là, lui-même, il n'a pas le droit avec une licence. Bon, l'autre, il y a le mestrado, lui-même, c'est maîtrise académique là. Ok? Et puis, vous gagnez doctorado, qui c'est doctorat. Ma vous avez ça, vous gagnez dans le niveau post-graduat, vous gagnez trois parties là-dedans. Maîtrise professionnelle, qui n'a pas le droit pour faire doctorat, une maîtrise académique, une maîtrise recherche, qui n'a pas le droit de faire pour capable de faire doctorat et pour gagner un doctorat. Comment vous étudiez au Brésil? Tant pour un Haïtien qui vit en Haïti. Nous avons mis dans notre vidéo pour nous expliquer qui sont les Haïtiens qui au Brésil capable d'intégrer le système universitaire brésilien. Les Haïtiens qui sont en Haïti, il y a plusieurs possibilités utiliser pour venir étudier au Brésil. Parmi lesquels je prends 4 là-dedans. Il y a des bourses que le gouvernement brésilien, à travers le système ministère d'éducation brésilien, ministère d'éducation brésilienne, et puis ministère des Affaires étrangères, ils ont mis des bourses pour Haïtiens dans l'ambassade Brésil, à Port-au-Prince, qui est situé dans Pétionville, dans l'Hexagone, dans le building de l'Hexagone. Ça, c'est la première possibilité. Le ça, vous pouvez vous informer de l'ensemble de documents demandés, ensemble de compétences demandées, pour préparer et ensemble de dossiers et documents, dans le temps où vous ensemble avec qui j'en pour faire. Deuxième possibilité, et sous même ça encore, vous pouvez ou quand vous n'êtes pas capable d'aller dans l'ambassade Brésil là, directement, ou à l'informer. Ou bien, ou à sur cette ambassade là qui c'est www.portoprincipe.itamaraty.gov.br. Bon, dire un petit genre, pour comprendre. C'est www. Port-au-Prince, c'est P-O-R-T-O-P-R-I-N-C-E. Et non, bon, vous comprenez? C'est P-O-R-T-O-P-R-I-N-C-I-P-E. Itamaraty. Itamaraty, c'est I-T-A-M-A-R-A-T-Y. Gov, qui c'est G-O-V. B-R. B-R. Voilà. Le ça, ou quoi, brut la chaos sur des smartphones ou bien des ordinateurs ou consulter pour voir ce qu'il y a un appel pour que le monde vienne déposer candidature. Ou bien tout, boost flasco. Flasco lui-même, c'est faculté latino-américaine de sciences sociales. C'est même une subdivision de classe centre latino-américaine de sciences sociales. Vous allez sur le site là. Vous avez une formation. Vous avez un boost OEA. Boost OEA, lui-même, c'est. Vous allez aller sur le site OEA. Vous avez joué ensemble une formation. Boost SAIO, c'est boost maîtrise avec boost doctorat. Oui. Une fois que vous avez sur le site là, vous tapez boost OEA. Vous mettez sur Google, vous tapez boost OEA Brésil. Et puis là bas un lien ou bien là bas plusieurs liens on va choisir celui que ou pas qu'on est directement choisi on va essayer choisir un premier baroul un deuxième baroul un troisième baroul parce que c'est là on regarde qui sera demandé etc etc ok assez bourse OEA assez bourse OEA tout bourse a au grand plein avantage à donner qui c'était bourse en fait parce que Brésil là il y a des avantages qui c'était bourse France quoi il y a des avantages qui c'était bourse OEA il y a des avantages et tant qu'étudiant international qui dit qu'il a étudié il faut gagner un bon et bagage pas sous contour etc etc. On pense que dans la prochaine vidéo on va venir avec explication sur ça et l'autre moyen qui est plus facile encore comme quatrième moyen qu'on va aller étudier au Brésil c'est au même directement qui cherche une admission dans l'université brésilienne et puis ou à faire des demandes visa étudiant pour aller le ça quatrième moyen mais le dernier moyen pas lien là lui-même le ça
Frère, ensemble frère, c'est sous contrôle à lui. C'est ça que je dépose pour nous aujourd'hui, hein, et comme information qui gens pour capable étudier le Brésil pendant que vous Haïti ou quitter Haïti pour aller étudier le Brésil. Et si vous aimez la vidéo, pas oublier liker, quitte un like pour nous. Si vous avez des questions, quittez pour nous dans les commentaires, nous répondons. D'accord, ciao ciao, une autre fois.